Chut, maman, pral ge bagay. À partir de 17 mai, Cap Vini la, ge 3 gros experts internationaux dans le domaine qui li ak sécurité, Cap foule sol pays d'Haïti. Pour capable accompagner la police pour marrer tout bandit. Sûrement, ces nouvelles ça ou tapton, parce que nous senti nous bouquer ensemble avec et sécurité à kidnapping. Qui genre opération ça yo pral fait? Est-ce que c'est dans l'armée américaine? Eh bien, moun ça yo ap sorti. Est-ce que nèg ça yo c'est sniper? Oui, parce que bandi yo vraiment puissant par Borisite. Comment yo pral fait travail là avec la police pour mettre tout bandi en bas code? M'pral expliquer. La police nationale a fait toute manœuvre dans moment pour mettre tout bandi en bas code. Pour population capable de fonctionner en paix en toute sécurité. Eh bien, la police dans la ville Gonaïve, dans tête collée avec chef paquet juridiction, M. Sera Gaseyus, rive mette la patte sous deux jeunes garçons. D'après déclaration commissaire, monsieur Sayo se déprésimé kidnappé. Qui est-ce qui a été kidnappé? Qui bon ça passé? Combien de corps yo kon mande fami moun yo le ou fin kidnappé yo? M'pral expliquer yo. Qui genre opération ça t'est déroulé et dans qui circonstance la police Mario. La police continue bataille dans une opération garçon pas campé la police mené dans zone métropolitaine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police lave l'air. 25 présumés kidnappés en bas code. M'bra l'expliquer ou comment opération ça t'a déroulé. Qui technique la police t'est employé pour Mario? Combien moun nèg ça au kidnappé déjà et dans qui zone ça passé? Rete là. République Dominicaine continue à souke pays d'Haïti. Dans le jour qu'a vini yo là, yo annoncé et bien yo pral pimpe tourner plus passé 200 haïtiens qui a vivent en République Dominicaine illégal. Et bien yo arrêté yo dans divers sections tant kou El Punbio, Ventana ak divers lot encore. Quant à pour président Luis Abinadel, li frustré, li fâché et magistrat Santiago Abel Martinez, lui-même li qualifié sa Haïti fait comme une provocation. Eh bien, yo décidé canaliser de l'eau dans rivière Massacre sans consentement République Dominicaine. Est-ce que gen yon raison pour République Dominicaine fâché nos états pareil? Est-ce que là yon qu'on a utilisé là yon qu'on demande Haïti approbation? M'pral l'expliquer. Zak kidnapping yo pas suspend fait nan pays d'Haïti. Yon dame ki habite nan zone kwa de bouke, et bien bandi debake la kaili, yo mare maril, yo mare gardien, yo mare tout pendant li même lap gade ki jan bandi yo prale avec yon petit garçon ki gen seulement 12 l'année. Et ravise yo exige, il faut yo bay yon total de $300,000 américains pour petit sa kapab arrive jwenn libération. Jodi a même, nan yon cérémonie qui t'a déroulé, cérémonie ça c'est cérémonie d'installation du Conseil national assistance légale, CENAL. Conseil national d'assistance légale ça a plat pour tande tout prisonnier moun qui fait 10-15 ans en prison qui pa jamais moué. Eh bien juge nan cadre cérémonie ça président pays a Jovenel Moïse déclaré les c'est pour yo libérer moun qui t'ai participé dans coup d'état. Les pour yo libérer moun k'ap détu bien privé ak bien l'état toujours gen juge et bien tribunal yo toujours fonctionner. Mais les pour yo libérer malheureux ak malheureuse qui fin pige peine yo qui nan prison toujours ou tande juge toujours en grève. Nan cas ça et bien président prend gros décision pour que moun k'ap koubi nan prison depuis très très longtemps yo arrive joine libération sa ki fin pige pen yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rale ti chèz ba ou chita confortablement, fouko zanmi enfo pa ou rentre la kayou, m'pral bo tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nouye. Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pau Fouko. Maintenant nous t'ai chance de présenter un petit compte ça qui c'était machine président a passé vacabon a courir d'elle. Merci avec chaque fanatique qui t'ai commenté et réponse tant c'était poussière. Nouveau compte nous gagner en partie cric crac petit petit fait l'honneur président.
petit, fais l'honneur, président. Pas hésiter à quitter éléments de réponse pour là dans le commentaire là. Ça utile nous, en pile, ça encourager nous parce que nous aimons les fanatiques à commenter et à parler ensemble. Merci déjà pour commenter. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, j'en ai annoncé à partir de 17 mai cap vini là, trois gros experts internationaux dans le domaine qui lié à sécurité à descendre en Haïti pour accompagner la police pour mettre tout bandit en bas code. Face avec insécurité à nan pays a depuis un bon bout de temps, zak kidnapping dans région métropolitaine ak dissémination gang armé yo sous tout territoire national là. Et bien trois experts international sa yo a vinn aider institution la police là pour capable mettre fin nan rey tout bandi. Et puis pour faciliter référendum nan kap fait 27 juin kap vini là ak élection pendant fin d'année sa yo. Moun qui te fait annonce ça, c'est Mathias Pierre qui c'est ministre délégué, bon côté premier ministre là, qui est pour mission, élection et entrer en relation avec toute partie politique. Monsieur Pierre Mathias déclaré pour assurer sécurité référendum et élection, trois experts internationaux ont vini en Haïti, des experts. Non, ça qui est pour avoir avec crime, ak youn li même c'est dans renseignement, yo ap accompagné la police là. Dans toute opération et aider au joindre bon genre résultat. Rappelez-nous 16 mars 2021 là, 5 policiers, 4 policiers t'est mouri en dedans village de Di et youn disparaît. Échec yon opération qui t'est passé. Eh bien, président t'est gagnon entretien avant ensemble avec secrétaire ONU Antonio Guterres, li t'est sollicité l'appui technique et logistique pour PNH là pour capable combattre tout bandi yo. N'ap continue informé ou. La police nan tête collée à commissaire juridiction Gonaïve la, Maître Sera Gaseus, arrivé déposer la patte nan collecte deux présumés kidnappés nan cité Indépendance la. Deux individus sa yo, mesdames, mademoiselles et messieurs, youn rele Silus Kerson avec Guillaume Jimmy. Nan après-midi qui te 5 mai 2021 nan cité l'Indépendance la. Ça qui la cause la police mari des jeunes garçons sa yo, c'est parce que yo impliqué dans yon zak kidnapping dimanche qui te demeya dans yon zone qui rele Châtelien. Sou yon ti vi qui rele Franz Setsi George pou kounya de individu sa yo ferme dans commissariat pour répondre question SDPJ. Map informé ou toujours, nan moment là, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police a fait tout manœuvre pour marrer tout bandit parce que bagay la vin paraît ton honte. À chaque sa la police dit, tout moun se dan yop grien sou li. Eh bien, la police décide pour marrer tout bandit kap komet mauvais ak nan peyi ya. Eh bien, nan yon opération la police mene, yon arrive mette en bakod 25 présumés kidnappés nan commune Kafou. C'est parti bagay piti. Donc nan moment là tout moun a dit ça k'a passé la police comme ça. Yo a mandé population pour yo ba yo information et non seulement ça tout nous capable présence dans l'arrière a mandé mais ça k'a passé monsieur yo est-ce que yo joine on l'autre plan pour yo amarrer bandi parce que situation compliquée kidnapping c'est ça seulement qui fait chanson dans pays. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, nan soirée qui était 6 mai, c'est sa mini justice là wok fè lève Vincent fait konnen nan yon bref publication sou Twitter li. Eh bien, 25 kidnappés, cambriolés, la police mette tout nan dépôt. Opération sa te fait nan yon quartier qui rele Chavez, nan commune Kafou. Ministre tout profite, fait appel avec population pour yon continuer collaborer avec PNH. Selon dernier rapport, eh bien, Centre Analyse Recherche Droit Moun, qui se CARDH, nan pays d'Haïti, seulement pour mois avril là, kidnapping a augmenté à 300% et 19% dans cas ça yo répété dans commune Kafou. C'est parti bagay ki piti. Donc nous capable comprendre qui jan dossier kidnapping dans lui-même l'a valé terrain en moment. Adje, ma mrevo Haïti mesdames mademoiselles et messieurs. Haïti mrevé a son Haïti nous tout monde respecté monde. Nous gon sécurité, nous yon ap veye sou l'autre. Côté bandiye nous pa fè cache-cache. Si bandi arrêté nan bloc ça nous annonce la police ça et puis la police même débarqué vin faire intervention, faut que la police tout pa corrompi, faut que gouvernement pa corrompi, faut que nous tout ka vive à l'aise pour nous manger, pour nous capable fonctionner, pour nous mettre tête nous ensemble pour nous avancer ensemble avec pays ya. Ça c'est Haïti que me rêve ya. Pour nous connaître tout bon vrai qui ça démocratie ya, qui ça qui dictature.
Ça est important pour nous connaître. Bravo Haïti pour tout le monde, pour tout le monde qui a accès ensemble avec l'école. Pour nous, pour dans l'année qui vient, nous ne venons pas sortir, mais au contraire, pour nous entrer dans la technologie, pour nous plus avancer, pour nous développer. Bravo Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Pour les politiciens, nous n'avons pas suspendu, nous n'avons pas campé des barricades, nous, c'est ce qui vient nous. Pendant que nous même négocié tout côté pour ramasser l'argent, vous voyez, petit, tu as étudier à l'étranger. Après ça, dans 5-10 ans, c'est petit qui encore qui vient là, qui vient faire politique sale encore. Parce que le petit cochon tient de sa race. Nous connaissons le proverbe créole ça. Petit cochon pas jamais fait sanké. Un bon créole. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous besoin mettre tête nous sous épaule. Vous m'expliquez nos bagailles qui passent aujourd'hui avant que m'entrer dans le dossier République Dominicaine. Nous avons eu chance de rencontrer avec un ami, un marchand, donc nous avons dit un ami. Et puis, marchand ça, pendant que la vente, moi, et puis il dit comme ça. Eh, bagaille difficile, dollar américain monté. Est-ce que m'pata faire nouvelle matin, puisque, gon, compagnon yon moun a l'acheté là, d'ailleurs, fait le payer green dollar 107 goud. Tandis que BRH mettait lui-même 86 goud combien. Kounyal dim, tout ça qui la cause, ça arrive dans le moment, et moun qui fait ça, le Jovenel Moïse. M'di frem, comprenne bien ça m'bral dou là. M'explique elle, m'di le comme ça. Comment t'es qu'à comprendre pour nous tout à l'école, nous qu'on lit, et puis nous quittons un seul grain de monde bloqué en pays dans nous. Ça veut dire, nous mettons, admettons que nous toutes sortons. Nous mettons, admettons que nous toutes ces têtes dans le sac. Pour un seul grain de Jovenel, tu allais voir matin bloqué pays. Il bloqué pays dans nous. Ça c'est un. Est-ce que c'est Jovenel de grand pays qui est responsable A à Z? Non. Le président au pays, pas de problème. Je me dis, comment tu peux comprendre pour que l'État prenne décision? L'idée là, mettez deux gouttes sous gaz là. Parce que gaz là, monte dans la communauté internationale là. Nous, tout le monde nous dit, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à ceci, l'État pral monte gaz. Tandis que, les yon fait complot pour que gen ratman gaz dans le pays là, nous dit, son fierté pour nous dire, ouch, pas gen gaz non, 1000 gouttes m'achete yon galon. Ça veut dire, nous plus quoi dans la corruption que l'État dit la prend décision. Comprenez bien, oui. Nous, pas d'accord, l'État mette le 2 goud là, mais le pas gagné, nous préférons acheter galon 1000 goud. Mettez 2 goud avec 1000 goud. Qui sont pensés? Non, de ça, qui sont apprends ou même. Mais nous accepter avec contrebande dans bito. Comment te ka comprendre pour de caoutchouc à bouler devant? C'est ça m'a expliqué, Zamien. Pour le capable comprendre que pays d'Haïti, c'est pas un problème, président, mais c'est un problème nous. Tout c'est nous qui créons la cause, pays a corrompu dans l'État ça. Dis, comment te capable comprendre pour que. Gen de caoutchouc à bouler devant, yo annonce pays pral lock, pays pral bloqué. Ti machan ki gen boutique bon la kaye la, ti mami dire il la tap vann 10 goud. Immédiatement le temps de caoutchouc à bouler devant, ou même qui vin acheter nan men lan le dou, dire il a monté. Ti mami t'la getan vann 17 goud. Ave dit getan passe 7 goud sou li. Demain matin, si pays a bloqué tout bon vrai, la dou 20 goud li vann. Ça veut dire getan vin double prix. Là, c'est l'État qui la cause manger à monter ou bien c'est nous qui fait. Jusqu'à présent, pour que j'aime des problèmes, dit comprendre bien, frère. M'dit, pour qui ça? Les Haïtiens allaient dans mes milles là, la l'acheté. Yo acheté, par exemple, trois cornflakes, par exemple, pour 50 dollars. Mais yo tellement joué en quantité. Les arrivés sous marché, combien yo al vend green cornflakes ça? Yo vend green nan 40 dollars. Ou acheté le 3 pour 50, oui? Ou al vend green nan 40 dollars. Si nous fait 3 fois 4, 12, ça fait 120 dollars. Ou combien quoi bout achetel, ou achetel, eh bien, 50 dollars. Ça veut dire presque deux fois la valeur sous maman l'argent. Laissez comme ça ou appeler des fels. Est-ce que c'est mille la qui monte? Non, c'est pas lui qui monte. L'elvin apprend, c'est comme ça ou elle vend ni sous marché, ou elle vend ni avec dernier consommateur, avec consommateur final là. Et puis, lui même, c'est comme ça la baoule, eh bien, y aurait les tout aller, ou dit, font fermer de tel bagay. Dis pas gain, dis pas gain. Après 15 jours, eh bien, ça ou fait, y'a vend ni 70 dollars. Qu'on y a là ou même s'en fait ou gal monte le pichet toujours. Dans le cas ça, aidez-moi comprendre, est-ce que c'est l'État seulement qui fait corruption ou bien c'est nous toutes qui acceptons l'anticorruption? Pour qui ça, eh bien, l'État lui-même lui fixe, lui dit, ton dollar doit être tant. Comprenez bien, oui, dollar doit être tant. Eh bien, qui ça peut aider l'État pour faire que toute loi soit respectée, y a les populations? Lors de bas qu'on côté, lors de bas que nous maquettes, l'on débarque dans une grosse maison, et puis ouais, on doute tout à 107 goud, c'est normal pour aller la police ou dire, même si vous avez un acheter, on dit tout à 107 goud, tandis que BRH dit le temps, mais vous acceptez prendre, ou dit c'est l'État qui prend responsabilité.
L'État lui-même décide de prendre responsabilité parce que pour le faire respecter, l'obliger arrêter, ou mettre en prison, faire payer amende ou a dit l'État, c'est dictateur l'a fait, eh bien c'est injustice l'a fait. Donc, est-ce que là nous capables de comprendre, c'est nous tous qui habitués ensemble avec la corruption nous? Et ceci, mesdames, mademoiselles et messieurs, son bagay nous lever avec elle, son bagay nous grandit avec elle. Moun kap fait livre pour nous voir, l'école ba nous pour nous lire. Yo kon ki mission yo gen des livres ap éduquer nous. Parce que comment te ka comprendre depuis l'école, gon paquet histoire qu'on a expliqué nous Bouki ak Timalis. Yo toujours fait nous croire Bouki lui-même c'est nèg ki pisote. Timalis toujours intelligent. Pourtant, pi gros voleur c'est Malis. Bouki sont innocents, Bouki toujours honnête. Yo toujours fait nous passer pour Timalis que Bouki. Ça veut dire c'est depuis l'école yo apprend nous coquin. Comment t'es qu'à comprendre dans tout grand pays, yo utilisé centime, yo respecté centime, en la constitution pays ya, li écrit clair que monnaie nationale là c'est goud qui divisé en centime. Est-ce que gen centime qui existait dans pays ya toujours? Chaque jour n'a perdu un paquet de centime sous prétexte centime n'a pas rien, goud pas rien. Et puis dans 5 10 ans, autant de l'autre là millionnaire sous d'or. Donc nous capable comprendre que corruption c'est nous toutes. La justice pas kabay bon résultat, c'est nous qui fait la justice. C'est petite ou, c'est petite l'autre là, c'est lui qui juge, c'est lui même kabay justice. Si depuis la caille, il pas t'apprendre bay ça qui doit gagner justice. Justice ça qui en tort doit bay tort, et bien pas penser. C'est l'elle fini rive dans tribunal là, il prend l'apprendre faire ça. C'est depuis dans sans lié pour l'apprendre faire corruption, pour le prendre cob en battable pour libérer ça sale pas doit libérer. Parce que chaque juge qui vini qui prête serment, qui a jugé moun, eh bien, li te gon famille qu'elle délevé. C'est pour l'oreille qui kalil. Donc, en ce sens, c'est depuis la caille pour gen gens de formation sa yo, pour gen éducation sa yo. Donc, nous besoin de travail qui vous fait dans le foyer yo, dans l'école, dans l'église, dans la société a pour nous capable de construire un pays tout bon vrai. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, nous continuons à informer yo. Biwa Immigration ak Emigration République Dominicaine annonce yon pral voye tourne en Haïti 200 Haïtiens qui a viv l'autre bois illégal moun sa yo yon ramasse yon dans diverses sections tankou El Rubio, Inoma, aka comprendre gen pa konn parle espagnol, Guayaca, La Ventana ak divers lot encore. Autorité Dominicaine yo te saisi tout yo bus ak yo voiti ak 17 moto. Yo arrete yo et yo jounyo nan divers lot lokalite tankou Yarabakoa ensemble avec Kamela ak lot zone encore. Toujours en République Dominicaine, magistrat Santiago Abel Martinez qualifié sa Haïti fia comme un signe de provocation cause yo choisi canaliser de l'eau rivière massacre sans consentement République Dominicaine. Martinez considère position sa adoptée par régime de facto Jovenel la doit répondre ak en pile fermeté ak défense souveraineté nationale gouvernement Luis Abinader la. Selon lui-même, président Luis très timide ak yon menace nan ati sa li doit tape Jovenel, bien tape. Pendant la fè leçon avec actuel magistrat Port-au-Prince, li indique Haïti vraiment ap détrui forêt yo, yo ap affecté végétation yo, et yo pollué rivière yo tout. Et yo remarqué, eh bien, de l'eau, comment c'est pas de l'eau dans zone pa yo, ça qui passe, eh bien, de pou e pa de l'eau, gen un gros problème dans le pays. Donc, dans ce cas, messieurs, dames, République Dominicaine, yo commencé vraiment énervé à ça qui a fait en Haïti, comme nous connaissons le président lui-même, a construit yon canal d'irrigation et sous. Exactement, bon pont et sous rivière massacre là nous connaissons rivière qui sépare entre Haïti et République Dominicaine. Depuis bien longtemps c'était République Dominicaine qui t'a utilisé. Le coup y a ça qui passe République Dominicaine là, il pas de passer Haïti gonjou t'a pral pont bagaille là-dedans. Non, ou pas qu'a prendre tout pourquoi? Date trois entrer sous terre haïtien, ou pas jamais douin, mais on tire l'eau pour que ton estomac et qu'on soit en dévé ou même mandé pour président dans taper Jovenel. Bagaille là pas aussi facile non papa. De toute façon, nous espérons que gagnons entente entre deux pays pour que pas gagner bagay qui pi grave qui vient passer entre deux pays sa yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien jodi a même président te participé dans cérémonie d'installation Conseil national assistance légale. Yon Conseil national qui pral gen chance tande donc yon paquet moun yo mette nan prison depuis bien longtemps. Songe gon élément, yo mette nan prison mwen kwe ane a fait 12 ans depuis nan prison.
pour qui ça a été mettre dans prison, te volé un feuilleton pour dal et couvrir un petit côté dans cali te couler la li t'a tombé. Pour yon fait tout, lui yon mette yon en prison et puis yon t'oublie. Donc, je ne j'en dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, go paquet moun ki fin piouje pen yo. Ge moun se de régime banan yon te vole. Gon nek mèm konem toujours dit le bon cathédrale yon mette yon en prison, le fait 15 ans pour 3 CD. Tandis que yon équipe gros vole dans la ria, kap promene, kap manje l'argent, pi a kap boule, kap krasé, et puis yon la, yon bien vivant, yon bien libre, yon à l'aise, yon fonctionne dans le pays. Donc, discours président, eh bien, li déclare, le ou tende, pour juge otande ti malere ak malerez ki fin bije pen yo, tribunal toujours gen grève, yo toujours en grève, tout juge toujours pas disponible. Le pou ke yo plaide kont moun kap fè tentative coup d'état, moun kap deti bien privé ak bien l'état, eh bien yo toujours disponible, tribunal toujours fonctionner pour libérer moun sa yo. Donc nan ka sa président prend en charge moun ki nan prison depuis très très longtemps ki pa jam passé devant juge, li rele en mwen chal barre de juge tan pri souple fon jan pou yo capable débarrasser prison parce que tellement gen moun nan prison ou pa ka prend encore. Bon m'a mande yo pou se prend 27 la selye. Donc kote yo foure tout parce que est-ce que nous capable de construire prison tandis que gon paquet moun ki nan prison ki ta supposé libéré. Donc en ce sens moi espérer que la justice lui-même li a fait travail li moun pou le mettre dehors la mettre dehors et moun pou le mettre dans dépôt la mettre dans dépôt. Mesdames mademoiselles et messieurs dans circonstance ça moi invité autant de déclaration président Jovenel Moïse n'a tourné talé comme ça. Tribunal en grève. Mais depuis monter président c'est sorti en grève tombé en grève. Tribunal en grève pour tout malheureux, pour tout petit peuple. Mais depuis, c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminel qui ont fait sans peuple à couler, qui ont l'autre pays, qui empêchent les gens à l'école, qui ont distribué des armes et munitions par les bandits, qui ont crasé les machins, qui ont boulé les camionnettes tap-tap, qui ont boulé les camions malheureux dans la rue, qui ont boulé les machines de l'État, qui ont boulé les institutions publiques, qui ont boulé le tribunal et le commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple, mandez-nous ouvrir les yeux. Ouvrir les genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous décidons d'installer le conseil d'administration Sénat là. Moi, songe, l'aime te réunir gros autobré dans l'État pour salutation dans le finissement année 2020. Moi, te dis une phrase que moi, je vais répéter encore aujourd'hui. Moi, te souhaite justice la tourner tout bon vrai, femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir qui s'en passe pour qui. Dans sa vie, mon pauvre, t'as coup mon riche. Moun peau jaune tant que moun peau noir, moun en haut tant que moun en bas, moun la ville tant que moun en dehors. Ga pile moun qui croit c'est eux qui mettent pays a. Et moun sa qui aime justice pays a parfois en bas zong yo, yo qui aime la otage. Mais m'a dit tout, yo même yo mérité justice. Même les moun qui ont bay tout nos potes, moun qui sont loin, yo, les oubliés de la République, gros orteils, tête canaille, moun qui pas kon li yo, yo gen droit tout pour yo joindre justice. Même gens nous dans affaire identification, gen plus passé 3 millions de personnes qui ne sont pas baptistes. Décision prend pour que eux-mêmes, ces oubliés de la République, ils aient un acte de naissance. Même les gens qui ne faut nous pas oublier qu'ils ont droit à la justice. Les accroupis en prison, faut nous pas oublier. Nous-mêmes, petits, nous-mêmes, qui avons fait sacrifice, camion chaviré avec nous, nous mourir dans le voyage pour mettre nous l'école, pour éduquer nous. Jodi, nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs. Jodi, nous membres du conseil d'administration Sénat. Mais qui ça n'a pas dit à monde ça?
Et c'est peut-être ça, décision, gros décision ça que je prends aujourd'hui. Je prends pour que les gens sachent. Ils ont une justice, même avec gros autobus qui ont l'argent, qui sont riches, qui comprennent. Ils ont fait ça avec la justice pays. Et je dis, qui ça peuple a constaté? C'est un coup de justice qui n'a pas existé pour malheureux. Ni pour les gens de bien qui vont en corruption. D'ailleurs, une série de cabinets d'avocats, $100 américains ont demandé. Comme pour défendre les gens. Et quand c'est tout pays, nous tous connaissons, c'est good rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous espérons qu'il y a un pile changement qui a fait, et non seulement ça, tout, pour la police débouiller le coup, mettre Jean-Jacques pour mettre sécurité dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous ensemble, dans le cadre du programme ça, en langue créole haïtienne. Rendez-vous, info. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti, côté ministre Justice et Sécurité publique, là, M. Rockefeller Vincent a annoncé sur réseau social Twitter que la police nationale, là, ou bien unité de la police nationale, a mené une opération hier soir dans la commune Kafou, dans une zone que les Chavez, côté ont arrêté environ 25 monde, 25 prétendus kidnappeurs et cambrioleurs. C'est une note que ministre Justice et Sécurité publique là fait sauter. Pendant ce temps, toujours la question et sécurité, eh bien, Haïti attend des experts internationaux cap sauter dans l'ONU, cap vin aider pour faciliter référendum et élection. Donc, il y a 3 experts cap vini. C'est Yon qui spécialiste dans renseignement et 2 dans crime organisé. C'est ministre Mathias Pierre qui c'est ministre qui chargé question élection. Avec rapport avec gouvernement et parti politique qui confirmait nouvelle là. Pendant ce temps, débat contradictoire a fait dans le pays sous plusieurs dossiers, tant que référendum, élection, dialogue et surtout commission, organisation État américain, qui a venu en Haïti pour faciliter dialogue entre protagonistes, ça veut dire acteurs qui impliqués dans la crise là, notamment opposition, société civile, avec pouvoir en place là. Mais nous tendons des réactions d'épaiement sous question ça. Donc, il y a un dossier que nous avons suivi pendant ce temps crise-là. Dans le pays d'Haïti, lui-même, lui apprend l'autre dimension chaque jour. Et pendant ce temps, économie en tout, lui-même est un coup spécialiste, qu'on dit, lui tributaire, lui dépend en pile de ce qui a passé au niveau politique. C'est ça que aujourd'hui, nous gagnons comme invité, tant que chaque jour, nous avons gros invité, je dis à nous, l'autre gros invité encore, c'est qui c'est économiste, c'est professeur Edzer Emile. Et Edzer Emile, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir sous la Voix de l'Amérique. Merci, Jacques Belizer. Je vous salue tous tes spectateurs, tes spectatrices, auditeurs, auditrices, la Voix de l'Amérique. Et c'est un plaisir pour que vous m'avez pour après-midi. Edzer Emile, et tant que moi, je dis là, et c'est ça, je suis content de savoir, ou même Kessner Farrell, Fritz Jean, Boubeuf, c'est ça, nous dit que l'économie est tributaire de la politique. Ça, gros mot, ça veut dire, qui je nous capable de comprendre par rapport à la situation dans le pays d'Haïti? Très bien, Jacqueline. Ça veut dire que l'économie n'est pas capable de marcher si que, au niveau politique, pas gagné de meilleures conditions. Par aucun côté, ou ka gen un business qui a marché bien, économie a marché bien, mais que politiquement, on a une situation d'instabilité et d'insécurité, je nous gagne aujourd'hui. Parce que leur gagne politique qui est instable et qui a bail problème, question sécurité, kidnapping, problème gouvernement, élection, tout problème ça, il crée incertitude. Et incertitude, c'est ennemi numéro un de l'activité économique. Parce que ni moun kap vann, ni moun kap achete, ni moun ki vle investi, tout moun ap suiv, pa gen moun ki vle avanse, parce que pa konn ki jan demain a pye. Et c'est sa situation jodi a la. Donc personne pa konn sa ka prive mois prochain. Personne sa pa konn sa ka prive nan semaine. Donc niveau d'incertitude ça justement, li rend ni difficile pour que ou planifier, li rend difficile pour capable anticiper et dans sens ça, activité économique là souffre de ça, li asphyxié. Et c'est ça nous gagne aujourd'hui à là, que ce soit au niveau de crédit, que ce soit au niveau d'investissement, que ce soit au niveau vente entreprise, consommation
population, pouvoir d'achat, la vie chère. Donc, tout jour viril, son situation qui est extrêmement grave que nous avons aujourd'hui à là. Et ça qui fait un peu mal, Jacqueline, c'est parce que tout focus là, mettez son bon débat, tant qu'on est référendum, nous avons oublié que l'économie a mouru, nous avons oublié que grand pile monde qui a un business qui a fermé, nous avons oublié que grand bon professionnel qui a pris le domaine, nous avons oublié que la vie chère a tout pris le domaine, mais nous avons oublié tout, Jacqueline, il y a 4,4 millions de monde qui est en situation humanitaire dans le pays. C'est deux fois plus que nous avons gagné après le cyclone Matthew. Mais Edia-Emile, pendant qu'on a parlé de toute cause, ça, même moi, dans pile cob, il y a parlé de pour élection, pour référendum, dans pile cob que le gouvernement a mis dehors. Et là, nous parlons de incertitude, par exemple. Bon, c'est sûr que c'est spécialiste qui veulent, que si malheureux à pas. Qui genre, par exemple, si on débarque dans le pays, est-ce qu'on est capable ou parler d'une économie qui est asphyxiée, est-ce qu'il y en a capable de matérialiser pour nous? Ça veut dire que y a un monde qui descend en Haïti, qui ça le prend qui pour dire que l'économie ça pas marcher? Bon, il y a un premier signe, Jacques, c'est que grand pile entreprise qui est obligée de fermer. Il y a des entreprises qui pas fermer, mais qui pas gain vente que qu'on habitué gagner. Grand pile monde qui perd du travail par rapport à contexte, un par exemple secteur touristique. Surtout pour qui travaille dans le secteur touristique, je dis à là il n'y a pas gagné pour le faire, parce que les touristes pas rentrer dans le pays et pas gagné la vie de nuit, j'aimerais me dire là. Donc, quelque part, où vient gagner une situation extrêmement difficile, transport entre ville et ville, il y a des difficultés. Donc, écoute, tout, encore une fois, question, hein, ou après, clairement, parce qu'on va rendre compte que déplacement qu'a fait, circulation de biens et de personnes n'est pas aussi fluide que qu'on a habitué. Ou clairement ouais que depuis long le la rue a blanche. Donc ou pas même besoin mon explique au lit depuis dans la rue ou prendre compte que gon certain le il y a des côtés dépouillés, même motocyclette ou pas joindre. Donc ça prouve clairement que bon bail qui pas marcher et c'est dommage que focus là pas mettre sur question économie, il pas mettre sous misère, il pas mettre sous la vie chère, il pas mettre sous entreprise qui pas capable vendre, il pas mettre sous pouvoir d'achat mon qui fini, mais aussi dollar tout qui finit manger tout épargne moun avec tout ça moun a recevoir comme transfert. Donc moi crois que je dis à là l'important que j'ont invité dans là pour que nous parler sous question économie, sous question poche moun yo, et pour moi il est beaucoup plus important que ça gouvernement lui-même gagne comme priorité qui en département de sa population gagne comme priorité. Et dire aussi anticiper parce que m'ta parler une question sous question dollar et gagne yon c'est un mystère qui gagne autour de et baisse ou bien hausse dollar qu'on y a nous est tendance là qu'on y a c'est à la baisse pour good et national là et journée aujourd'hui à qui genre good là et qui en santé good là journée aujourd'hui à bon il y a deux menaces là Jacqueline. Premier bah là c'est que gros marché parallèle avec prix dollar yé dans banque que lié dans la rue ça les marchés informels et car là tellement grand donc grand bande monde qui bénéficie de ça pour faire commerce avec dollar. Il y a des gens qui achètent dans la banque, qui le revendent sur le marché informel. Ou encore des gens qui ont accès à dollars dans le BRH à travers la facilité que l'IBA est pour importateurs, pour banques, pour ensemble de l'autre gros business. Alors que, dehors, les dollars vendent sur le marché informel à n'importe 20 gouttes de différence. Donc, quelque part, les vins créent une situation de, panique. Mais deuxièmement, les dollars pas suffisant. Donc, les gens qui cherchent, ils ne pas joindre. Maintenant, mettez sous ça. Troisième catégorie, c'est les gens qui ont recevoir un transfert, que ont même recevoir un montant en good depuis octobre 2020. Jean l'État a demandé ça. Parallèlement, les gens qui ont acheté dans le magasin, ils sont obligés de payer un produit côté que taux dollar plus haut que taux de balle. Je vais vous donner un exemple bien simple, Jacqueline. On dit que vous avez 100 dollars pour un monde dans le transfert. Donc, on dit que vous avez 80 gouttes liées dans la maison de transfert. Donc, il y a 8000 gouttes pour le mettre en poche. Mais là, l'arrivé dans ma maison, côté à vendre appareil, il besoin d'acheter un appareil qui vend 100 dollars. Donc, il dit que s'il paye 100 dollars, la paye l'angoud à un taux de 100 goud. Donc, là, ça, il vient 10 000 goud. Donc, on a obligé de joindre 2 000 goud en plus de même l'argent que tu voyais pour l'IA pour qu'à payer même bien ça. Donc, tout problème, ça, fait que mon gars pour se voir transfert dans le pays, qui c'est quand même en pile monde, c'est presque 40% de la population qui dépend de transfert. Donc, mon ça a perdu chaque mois des milliards de gouttes dans l'argent que recevoir par rapport à l'argent taux de change dans l'air. Et deuxièmement, monde qui besoin de dollars pour de l'autre besoin, pour de l'autre bagaille que besoin faire,
yo vin pénaliser parce que dans banque côté toi pi bas banque là toujours dit pas gagner même là gen carnet dollars dans banque là des fois qu'on pas avoir bon dollars pour venir chercher. Donc situation ça fait que population pénalisée et moun yo même qui gen accès à dollars vin yo même fait marcher machinois avec dollars et bénéficier de lui. Mais faut nous dire tout problème ça Jacqueline, fondamentalement nous avons une économie qui pas marcher, nous gagnons une exportation qui pas suffisant, pas gain touristes qui vient dans pays là, pas gain investissement étranger dans pays là, c'est seul comme diaspora qui a kembe équilibre dollar, il pas suffit par rapport à toute demande qui gagne l'économie, mais surtout que de monde qui a serré dollar pourtant les pichet pour vendre, j'ai les bas la machinois qui au même quelque part a créé un peu de distorsion dans l'économie et ces populations qui toujours payent conséquences. Mais est-ce que c'est pas un constat d'échec pour pouvoir en place là et le fait que yon moun gen doit gagner toute et opportunité ça pour le capable jouer sous dollar pour le capable bah qu'on est exploiter même moun qui pi vulnérable dans société là, est-ce que l'état pas de gon façon pour être capable régulariser question ça pour faire que eh ben moun qui pi faible yo pas yo même c'est yo cap subi et conséquence même de l'État ou bien de moun kap dirige ou bien moun ki gen plus kob yo, yo continue à faire beurre yo, continue à faire dol, yo continue à faire plus kob malgré situation grave dans pays. Bon, Jacques, ça c'est caractéristique économie Haïti même. Ça veut dire que ou gen yon l'État qui pas gen capacité pour capable faire règle, je vais le respecter. Donc l'on puissant, l'on gen moyen, l'on gen ensemble de bagay nan men, l'État n'est pas capable de contrer nous faire. Donc, son l'État qui a une force sur seulement bon ennemi, c'est-à-dire, les gens qui volent cabrit, c'est les gens qui volent et bœuf, les gens qui volent deux, trois bagages dans le marché public en dehors, c'est les gens qui l'État capable de contrer. Donc, ou bon l'État qui puisse accuser les gens qui fait ça pas bon, qui puisse dénoncer les gens qui fait ça pas bon, mais qui n'a pas gagné ni courage, qui n'a pas gagné ni volonté pour capable établir les règles du jeu. Et les règles du jeu qui pas établi, qui fait que les gens capables de faire n'importe ça dans l'économie, donc dans un sens qui bénéficie à une catégorie de monde et qui est au détriment d'une catégorie de monde. L'État connaît très bien qui est qui a un pile de dollars dans le monde qui a utilisé pour faire marché noir. Ce n'est pas malheureux qui a fait marché noir à dollars. C'est le qui a un gros dollar qui a entré dans le monde. Donc tout le monde connaît qui est, tout le monde connaît qui secteur. Donc quelque part, mais en même temps, tout, l'État n'a pas mis de voir le propre. Tout. Sous son l'État qui a fait déficit budgétaire, ça veut dire que dépense sous pire ou que rentrée chaque mois, chaque trimestre, chaque année, ou même tout ou créer conditions pour que dollar toujours là, pour que dollar toujours monte sous population. Donc, toute question, hein, sous besoin justement un leadership qui est capable de gagner discipline, mais aussi qui gagne assez de légitimité et capacité et courage pour capable faire règle, je vais le respecter, le ça ou capable de gagner équilibre dans toute question ça a eu. Mais tout ça lié avec question politique instabilité lié avec production pays qui pas jamais dans niveau que supposé y mais surtout y ont l'état failli qui pas une capacité pour mettre l'ordre et pour faire je vais te respecter et déjà Emile gen moun qui profane qui t'a dit bon journée jodi a yo dit que c'est exécutif là seulement qui gagne la haute main pas gagne parlement et donc ça veut dire que l'état c'est à si il t'a supposé gagner plus scope dans caisse là puisque on pas quatre monde qui pas gain que pas payer et donc santé économique l'état t'a depuis bon ça qui passé contrairement à ça dit parce que m'a regardé chiffre 5 premiers mois et année fiscale là comparé à 5 premiers mois année fiscale année dernière là déficit budgétaire là presque double donc il était pratiquement 800 à 900 millions qu'on en a presque 1.5 à 1,6 milliard de dollars américains de déficit budgétaire sous seulement 6 mois. Donc, contrairement, malheureusement, et ceci lié à plusieurs bagages, d'un côté, et l'ordre économique qui pas marché, qui au ralenti, kidnapping avec instabilité, prend pays en otage, donc vente au plus bas, activité au plus bas, donc l'État naturellement gagne moins d'argent qu'à côté de la caisse. C'est parce que l'argent de l'État côté sorti. C'est activité économique, c'est monde qui travaille qui paye taxes, c'est entreprise qui vend qui paye taxes. Donc l'ordre économique qui ralenti, ça fait 2 ans nous avons une croissance négative. Donc c'est normal pour pas gagner assez l'argent. Mais parallèlement, où on l'État qui est grand dépenseur, qui dépense une bonne série de bagages, des fois pas même moyen pas que ça nous les dépenses improductives, qui dit la dépense l'argent dans PNH pendant que la sécurité a pris gros chaque jour. Chiffre parle de augmentation de 300%
de cas de kidnapping, pendant que chaque opération police, bon 100 millions de gap dépensé. Donc, quelque part, ou pas même moins résultat dépense l'État, pendant que recette sur Pipiti, qui vient faire que gagner un déficit budgétaire qui a été enregistré, que son Parlement, pour mentionner à Jacqueline, malgré le Parlement, pas tout le monde là-dedans, mais le budget Parlement toujours gros. Parce que, quand même administration Parlement toujours là, avec des milliers de monde qui a travaillé là-dedans, donc avec tout ensemble de dépenses qu'il a fait, malheureusement, nous pas bénéficié de grand-chose de l'absence en termes de gains financiers dans le budget. Et c'est dommage. Donc, ça veut dire qu'au final, au bon l'État qui supposait réformer, qui supposait assurer que allouer l'argent, côté l'argent plus nécessaire, comment comprendre 40 millions de dollars à mobiliser pour question référendum, pendant que je dis à là, il est clair qu'on gagne en quantité de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire. On parle de 4,4 millions de monde qui seulement avec rad sou yo, qui pa gen rien pour mettre dans la bouche chaque jour, pendant que mon a monté descendre, dépenser l'argent, faire consultation dans le référendum, même population, pas même embrasser cause là correctement. Et Djemil, bon fait une considération qui triste et qui profane tout. L'homme tant de tout cas de kidnapping ça a cap gagné et en général l'a parlé de kidnapping et monsieur c'est dollars américains au mandé et est-ce que et là au mandé dollars américains en général et moun yo kidnappé a yo gen moun yo dans diaspora et grand pile petit cop kidnapping qui sorti dans diaspora ça veut dire qui entrer est-ce que c'est pas un plus pour économie? Bon, par aucune façon on capable associer question kidnapping avec bienfait, parce que son bagage qui néfaste, qui a détruit mon classe moyenne, qui a détruit mon, qui a fait effort entrepreneur professionnel dans le pays. Des fois même, ce n'est pas principalement proche que vous prenez, vous obligez de cotiser parce que son monde qu'on connaît, qui n'a même travaillé avec vous. Donc son bagage qui a détruit le pays, qui a détruit le business, pour des monde pas à circuler. Mais parallèlement, mon sao qui a fait l'argent dans le kidnapping, en pile fois, c'est des réseaux de monde qui pourrait acheter caisse Saint-Domingue avec une valise l'argent cash, son bande monde qui pourrait faire blanchiment d'argent dans bonne autre activité qui pas nécessairement profitable à l'économie. Parce que tout l'argent ou encore majorité l'argent qui gagne dans mauvaises conditions, dans kidnapping, dans corruption, dans drogue, généralement alloué dans activité non productive de blanchiment d'argent qui pas créer emploi, qui pas vraiment utile à l'économie réelle là, mais qui surtout quelque part vient gonfler ou ensemble de moun yo même qui capable de profiter pour tête chaud, mais pas profiter à l'économie. Hein. Et encore plus, j'aime ce jour-là, dans plein comme ça qui traverse les frontières, dans valise, qui a acheté un appartement Saint-Domingue, qui a pris 20 000 dollars, 100 000 dollars, et encore une fois, au détriment du pays, qui doit prendre comme pays à gagner pour aller l'autre bois, qui quand même, alors que pays ça a eu même y a marché, pas non pas marché, ou pas qu'on a qui que pour des mouns politiques ou encore des mouns qui gagnent l'argent. Cab associé avec banditis pour faire l'argent facile au détriment de la population, côté aujourd'hui à presque 40% là-dedans, pas qu'à manger. Donc c'est ça qui problème pays. Ce n'est pas référendum, ce n'est pas un autre bagage encore. C'est 4 millions de monde qui pas qu'à manger, c'est 3 millions de monde qui pas qu'à baptiste, c'est 2 millions de monde qui pas qu'à aucun côté pour faire besoin. C'est sous galette qui aller, c'est dans sachet, c'est dans rage qui aller, c'est misère, c'est la vie chère, c'est job qui a perdu. C'est des milliers de monde qui va à Saint-Domingue parce qu'il n'y a pas qu'à vivre encore. Et c'est ça le problème du pays. Et l'important pour que nous virer focus conversation, pour nous virer narratif là, mettre le souverain problème du pays. Et déjà pour nous finir, nous connaissons que vous êtes jeune économiste, ou attiré par les jeunes et vous rencontrez en pile avec jeunes. Rapidement, dis-nous non. Nos situations économiques comme ça, nos situations politiques comme ça, dans une crise qui a crasé le pays, qui sort dit jeunes le rencontrer avec vous? Rapidement, brièvement. Il est difficile, Jacqueline, pour les jeunes espoir, lorsqu'on connaît la situation en lien. Même moi, je dis ça, tout autant que les gens qui vivent, tout autant que les gens qui pensent, tout autant que les gens qui réfléchissent, ils ont espoir. Parce que le changement que nous tous avons arrivé, il n'est pas privé de parler même. C'est les gens qui font. Et c'est pour ça que moi-même, tout côté de mon passé, je vais encourager les jeunes pour engager, je vais encourager les jeunes pour participer, je vais encourager les jeunes pour impliquer, mais surtout pour comprendre ce qu'ils font. Parce que changement, librement dit, pour que gagne un gros mouvement qui fait émerger l'autre vision, qui fait émerger l'autre leadership, qui fait émerger l'autre forme gouvernance qui a mis le monde au centre de l'agenda.
Jodia, moun pa au centre de l'agenda. Mais malgré ça, nous pas découragés, nous étions avec espoir, espoir que nous capables de faire mieux, que un pile de bagages que nous quittons pour nous comme héritage, espoir tout que justement, jeunesse ça a gagné, on l'a pour jouer le clair, pour le comprendre, pour le conscient, pour le mobiliser, jusqu'à ce qu'il y ait accouché, il y a l'autre bagage qui a le sens, il y a l'autre bagage qui semble avec lui, mais surtout, j'aime t'a dit là, qui est capable de mettre conditions vie moun, qui est capable de mettre emploi, qui est capable de mettre, n'est capable de dire développement au centre de l'agenda politique, parce que je dis, il y a ça qui est agenda, c'est riche pour tête moins, riche pour famille, parce que pouvoir baiser en moins, acheter caille dans pays étranger, acheter caille pour des académies, mais pas aucun intérêt par rapport au problème pays. Sinon, comment t'es capable de comprendre qu'on fait 15 mois à qu'on kidnapping qui a monté chaque jour, personne n'a jamais arrivé à réaliser, faire une opération de police pour arrêter aucun monde qui bandit. Donc ça a monté clairement, pas de volonté, pas de capacité et pas aucune intention pour être capable de diriger le pays ça dans le sens de la collectivité. Edia Emile, la voix de l'Amérique, merci. Son plaisir. Merci un peu. Donc c'était économiste et professeur Edia Emile qui aujourd'hui a tapé fait une approche pour aider nous comprendre réalité santé économique là dans le pays d'Haïti n'a pas entré ici aux États-Unis. Et président Joe Biden d'accord lui-même bon côté parle pour supporter levé temporaire application patente sous droit propriété intellectuelle pour vaccin COVID-19. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça l'ouvrir route pour pays sous-développé fabriquer et propre vaccin yo. Et Jean-Robert ou même cap suivre événement ça dit nous plus. Effectivement, c'est un compromis qui est censé plein de monde qui déplaît l'autre monde. Ça veut dire que les compagnies qui ont fabriqué les vaccins, le compromis que le président Biden joue maintenant, que c'est une troisième voie, et bien lui-même est d'accord pour soulager les restrictions, pour camper sous règlement qui protège les droits, la propriété intellectuelle, surtout pour ça qui a un rapport avec le vaccin. Mais tout qui plaît pays et sous-développé, ou même qui a une possibilité pour y aller, pour fabriquer les vaccins pour la population. Par exemple, l'organisation de Médecins sans frontières, par exemple, c'est une entité qui a milité pour que le pays puisse toujours le moyen pour avoir accès avec le vaccin. Mais son dossier qui est vraiment choquant et qui vraiment fait parler de lui en pile, côté que je dis à la pays, par contre, ça peut faire pour être capable de plus tard le vaccin, parce que la distribution de vaccin n'est pas fait dire que le fait, pays pauvre, ça n'est pas accès avec le vaccin, alors que le pays riche, il a capable de plus faire le vaccin. L'administration Biden est d'accord pour supporter devant l'Organisation mondiale du commerce là une exemption temporaire sous restriction de la propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. C'est un pas important dans la lutte mondiale contre la pandémie qui est capable de bailler le gouvernement au pouvoir pour attaquer et rater avec inégalité vaccin. Représentant commerce américain Catherine Tai a annoncé position administration dans une déclaration publiée mercredi après-midi. Dans la déclaration, le responsable a dit à l'administration avec toute force li nan protection de la propriété intellectuelle, mais dans les circonstances actuelles, il doit gagner une mesure exceptionnelle. Trade is like any other tool in our domestic or foreign policy. It is not an end in itself. It is a means. Ils ont semblé ajouter États-Unis supporter exemption temporaire pour vaccin COVID-19 là qui visait mettre fin à la pandémie. États-Unis a participé activement dans les négociations avec l'Organisation mondiale du commerce pour tourner une réalité. Président Biden était en bas en pile pression pour lui lever restrictions sur patente vaccin COVID-19 là qui était une promesse qui était faite pendant la campagne électorale là. Mercredi 7 mai, militants ont manifesté dans Washington DC pour ajouter voix avec leaders mondiaux, parlementaires démocrates, organisations humanitaires et experts santé publique avec lauréat prix Nobel pour supporter proposition qui cap levé temporairement restriction sur patente vaccin et cap permettre pays fabriquer vaccin générique là donc qui pas original sans aucun risque pour compagnie produit pharmaceutique pas assigné au tribunal. Quelques temps avant annonçant, porte-parole Maison Blanche-Lan, James Saki, déclaré pendant que le président Biden a supporté exemption temporaire dans la campagne électorale, là, dit quoi que ses représentants commerce américain Catherine Tai, qui a lancé le processus de délibération politique interne administration.
Inde avec Afrique du Sud a déposé proposition en novembre 2020 pour demander de lever quelques restrictions qui viennent pour elle avec aspect commerce, accord OMT sous droit propriété intellectuelle. Responsable souligne l'administration a pour objectif distribuer plus matériel par la communauté mondiale avec un prix raisonnable, avec exemption, accord pour licence ou bien toute autre forme transfert technologie. Une révision qui fait sous données pays a montré 1,2 milliard doses vaccins distribués sur la planète là, ça qui égale avec 16 doses pour chaque 100 habitants. Mais il y a un écart dans le niveau de distribution vaccinant parmi pays. Quelques pays vaccinent plus de 50% de la population, pendant que il y a l'autre pays qui peut vacciner pas même le monde. Cependant, le fait que le président Biden d'accord pour supporter exemption provisoire sur droit de propriété intellectuelle contre vaccin, pas les 10 compagnies pour les pharmaceutiques pour commencer à mettre dehors recettes vaccin pour permettre pays sous-développés de faire propre vaccin par eux. L'Organisation mondiale du commerce là, c'est une organisation qui est basée sur consensus. Il n'est pas capable d'avancer tout autant l'Union européenne qui compte lever les restrictions avec tout l'autre acteur pas d'accord. Une fois tout le monde OMT d'accord, eh bien, prochaine étape, c'est pour pays appliquer des mesures au niveau national pour lever les risques légaux qui sont capables d'affecter la production pendant qu'il y a cherché des fabricants alternatifs. Fondi, cofondateur compagnie logiciel Microsoft Bill Gates, pas d'accord avec exemption temporaire sous protection propriété intellectuelle vaccin COVID-19 là. Eh bien, j'entendais donc troisième voie que compromis ça que l'administration joint avec l'Organisation mondiale du commerce là, eh bien, elle veut dire que si tout va marche bien, eh bien, compagnie qui fabrique et vaccin est capable et vendre licence limitée en façon pour l'autre pays ça est capable faire production et limiter tout, mais pas partager toute recette ou bien encore toute recette que on connaît concernant production vaccin. Merci Jean-Aubert. Donc, ce dossier que Jean-Aubert a suivi pour question vaccin ici aux États-Unis, surtout avec gros campagne que président Joe Biden a mené. Nous connaissons que d'ici 4 juillet, il a remis vacciné, il a remis que vacciné encore 100 millions de monde. Pendant ce temps, secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit jeudi, malgré la Russie retirer quelques forces li déployer sous frontière li partager ak Ukraine nan, mais toujours gen gros quantité soldats ak équipement qui toujours été dans zone nan, et que les États-Unis vle pour Moscou mette fin nan action agressif la poser sans réfléchir. Pendant monsieur Blinken t'a parlé nan ville Kiev ak président ukrainien Volodymyr Zelensky, ben lui-même li dit bon côté parle que et la Russie gen capacité pour poser action agressive. Si au cas li t'a choisi pour faire ça dans un petit bout temps seulement, et que li admire attitude calme Ukraine adoptée en face provocation Moscou. Li précise nan fin mois passé a quelques gros responsables américains avec Union européenne te fait connaître que Moscou déployait environ 150 000 soldats russes sous frontière Ukraine ak région Crimée. Chiffre ça a dépassé quantité soldats gouvernement président Vladimir Poutine te mette dans région ça depuis la Russie te annexé presqu'île Crimée en 2014. Nous pratiquement arrivé dans fin et programme nan, et c'était un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et merci pour attention, merci pour fidélité. On a rappelé que et dans le pays d'Haïti, le ministre de la Justice et de Sécurité publique, là, en parlant de Maître Rockefeller Vincent, il a annoncé que la police menait une opération hier soir dans la zone Kafou et qu'il a arrêté plus passé 20 personnes qui ont prétendu cambrioleur ou bien prétendu kidnapper. Et puis, et dans l'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, eh ben, Haïti a obtenu 3 experts internationaux. C'est une demande que le président Jovenel Moïse a fait pour eux-mêmes, pour eux venir aider dans la question référendum avec élection. Donc, ces 3 experts, il y en a 2 dans le crime organisé.